Les amis, aujourd'hui c'est le 9e épisode d'Astrobot. Merci à tous ceux qui suivent la série. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser des pouces vers le haut, de commenter, partager, de t'abonner. Cette série était incroyable, j'ai adoré le faire en live. Vous étiez énormément pour les lives, mais des fois vous étiez 94 personnes sur le live. Genre au maximum, c'est ouf. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé. Hein. Aujourd'hui c'est la rediffusion, tournée comme un let's play. Et puis bon, bah c'est la suite et la fin du chapitre 4. Hein. Alors like et let's go. Bon, bah maintenant on va arriver. Ah bah non, c'est pas encore le boss. Il y a le cimetière mystère. Oula! Ça fait très peur. Pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir une transformation zombie? Non. Chauve-souris pour voler un peu? Bah non, mais on a déjà plein de trucs qui nous permettent de voler. Donc je pense pas. J'entends un mec. J'entends un de mes potes. Oh! Non, y'a rien. Ils sont trop nuls. Mais où est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a un bonhomme? On l'entend dans le coin. Oh, déjà la transformation. Stoppage de temps? Je m'attendais pas à voir ça ici. Mais pourquoi pas, j'imagine ça marche. Il y a quand même un souci. Vous l'entendez comme moi, le gars? Oh mince. Ouais, mais là c'est pas pour avoir le g... Ah ok, dès le début. Ok, merci. Donc faisons ça, peut-être il va apparaître. C'était peut-être moi qui faisais du bruit, hein. C'est peut-être pas un de mes potes. Je n'en sais rien. Ah mais quoi? Ok, j'ai compris. C'est Luigi's Mansion ou quoi le bail? Haha, t'es trop lent! On peut pas le buter par derrière? Qu'est-ce qu'ils font encore en haut? Je croyais que ça allait être genre un peu les boss du niveau, mais en fait non, c'est juste des ennemis qui sont là et qui vont... Enfin, qui nous ont... Qui ont fait les goofy au début. Genre c'est des ennemis standards. Ok... Mais ça c'est beaucoup trop loin, hein. C'est quoi ça? Là, même en... En stoppant le temps, je peux pas y aller, hein. C'est trop. Et lui, il veut pas nous aider? Après, je peux peut-être m'accrocher. Voyons voir. Ah oui, ok, il s'accroche. Vas-y, vite. Ouais. Sinon, ça allait me tuer, ce truc. Attendez, mais là, c'est un niveau d'horreur. Et je suis pas sûr que... Ouf. Je suis pas sûr qu'on ait des persos de Resident Evil vu qu'on en a déjà eu dans un autre niveau. On verra bien. Castlevania? Castlevania, après c'est pas vraiment play, mais... Ils s'amusent bien les fantômes, hein. Moi je m'amuse un peu moins vu qu'ils essayent de me tuer. Oh non. Ah, y'a un bonhomme. Je pense que ça se rallume, hein. Non! Ah non, ça se rallume pas! Et en plus, il y avait des pièces. Mais ils auraient dû le dire avant. Ok. Merci. Et toi, t'es quoi, là, alors? Mâle alpha aurait besoin de leçons de piano. Ok, mais tu peux pas m'expliquer de quel jeu tu viens, mec? Ah non, y'a rien. Attendez, il peut pas y avoir une zone comme ça derrière pour rien. Ah, skip qui paraît, si. Tant pis. Parce que. Aucune puce, hein. Alors qu'on a déjà énormément de persos. Ah bah voilà. Il suffisait de se plaindre. C'est ça, les gens, dans la vie, vous aurez tout ce que vous voulez si vous vous plaignez. Au moins j'ai eu la puce. Mais c'est chaud de tout avoir et en plus d'avoir la puce. Peut-être que les ennemis n'étaient pas là pour que tu les butes, hein. Attendez, mais ça donne des pièces d'ailleurs. Ah ouais, ça me rembourse. Ouais, t'as vraiment pas le temps de tuer tous les ennemis, hein. Merci.
Non, 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 non. Ah, j'ai compris. Je dois l'arrêter quand il est... Non, trop tard. Haha, je t'ai eu. Par contre, reste pas là. Reste pas là alors que le temps, il est remis. Oh bah, elle a plus envie. Maintenant, elle rigole plus. Elle doit être dégoûtée parce que j'ai récupéré le truc. Rien en haut. Je crois que ça me pose problème. Surtout, je suis sûr que j'aurais pu le passer sans même ralentir le temps. Hein. C'est lui? Non. J'ai trouvé, mais... Ok, super. Mais attends, 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 attends. Ah non, non, ça essaye pas de m'écraser. Et ouais, j'ai même pas besoin d'arrêter le temps. Bon, j'ai peut-être besoin d'arrêter le temps. Je suis trop nul pour le faire sans. Et puis que deux. J'oublie toujours s'il y a un vortex. Non, il n'y en a pas. Merci pour le petit chemin, mais il y avait une souris qui me bloquait la route là. Oula, j'aurais peut-être dû faire ça plus vite. Non, tout va bien, tout va bien. Je sais qu'on peut y aller, ça m'étonnerait. Ah, mais ça, ça fait apparaître le monde alors. Oh mince. Ah bah ouais, mais c'est un peu nul ce que je fais là. Ouf, j'ai quand même réussi à m'en sortir, mais... C'était naze. Attendez. What? Je croyais que c'est juste que j'arrêtais de les illuminer. C'est moi qui suis un illuminé. Il y aurait pas quand même un truc derrière là? Non. Ils auraient pu mettre une sortie secrète ici en ça. Et... Quoi? Ça commence à tomber de là-bas? Je pensais que ça ferait dans le même sens. Mais non! Allez, l'autre perso Sony ici, probablement. Et en plus, quand tu fais ça, même t'illumine. Ah non, mais c'est que la lumière, oui, elle arrive de manière... Ok, je comprends. Mais en fait, c'est l'orage. Pas mal, pas mal. Ils en ont eu des idées. T'es qui, toi? Tu viens de quoi? Femme alpha, experte du passe-partout. En fait, avec des noms comme ça, j'ai l'impression que ça peut pas être des persos de Resident Evil, parce qu'on dirait qu'ils sont déshumanisés, mais peut-être que non, je ne sais pas. Ah. On tente, hein. J'aurais pas dû. J'ai réapparu où? Ici, très bien, très bien. Redonne-moi ça. Et... Ah, mais non. Je prends des risques, hein. J'y vais quand les plateformes elles sont pas bien mises. Ah ouais, mais je peux pas y aller normalement, moi. Attendre que le chemin soit bien fait. Non, y a rien. Ah oui, c'est la fin maintenant là. Ah. Ok. Let's go. Plus qu'un. Mais non, ah, j'ai oublié une puce. Vu où on en est rendu, c'est obligé. Attends, mais il y a un truc derrière là. Je pensais que ce serait un passage. Mais c'était pas clair. Quel bozo je fais. J'aurai le temps là. Ok. Pourquoi tu me ramènes en bas? On pouvait très bien continuer la route. Mais aucun problème. Elle est quand même longue là cette voie. Je vérifie, mais apparemment c'est pas suffisant pour trouver les trucs. Il doit y avoir une pièce de puzzle sur l'une des plateformes quelque part.
Ah oui, j'ai vu. Ah ouais, bah là, elle est pas très bien positionnée. Après, je peux me tuer pour la ramasser, mais en vrai, je pense que c'est quand on est là-bas. Pourquoi j'ai arrêté le temps maintenant? Oui, oui, yes. Et maintenant? J'ai cru que j'y arriverais pas. C'est bon. Donc c'est bien la dernière puce. Et oui, et oui. Il faut forcément qu'il nous manque quelque chose. On ne peut pas terminer le jeu à 100% du premier coup. Je me demande quelle capacité on va débloquer quand on va récupérer la dernière partie là de la play. Parce qu'on a eu le gacha. Ok, on a eu le gacha, on a eu la peinture. Ensuite on a eu les reskins. Je sais pas ce qu'ils peuvent nous faire de plus. Notre couleur. Ça m'étonnerait que ce soit un truc comme ça. Hein. Ça va être parti pour le... Non, pas tout de suite. Je dois d'abord détruire tout et après je détruis celui du centre. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Ce qui est pas facile parce qu'il y en a des tout petits. Et... Ah non, non. Ok, je pensais pas que c'était dans ce sens-là. Bref, 150, on les a. On a que 15 de plus, hein, mais on les a quand même. Venez, venez. Là, ils sont plus rapides que sur le... quand on est sur la map. Ah non, ici, ils sont plus rapides que sur le hub. Ils abusent, hein. Et il n'y a qu'un seul perso à débloquer. Qu'est-ce que ça va être? J'ai l'impression que le monde était court. Ah ouais, mais c'est pas totalement terminé. Puisqu'on fait aussi les missions bonus et tout ça. On dirait qu'il dit thank you. Il a le droit, hein, il peut me dire merci vu que je fais tout à sa place. C'est un robot qui a une IA de merde. Vu que je suis obligé de tout faire. Ok, il y avait quand même bien un boss à moins que le temps. Ah mais oui, mais ça paraît pas illogique. Le caméléon, il va se camoufler. Donc comme il va se camoufler, on pourra pas savoir où il est. Et donc il va falloir appuyer pour qu'au moment où il est visible, bah, genre on puisse le voir. Elle mette longtemps à apparaître là. On rush puisque de toute façon, il y a rien de caché dans ces niveaux. C'est ses bébés. On tue ses bébés. Ouais mais non en fait. Ah si. Waouh. Oh, j'ai été pas mal là. Un anneau de vie et le caméléon est là. J'ai déjà ralenti le temps. Mecha Léon. C'est Léon de Fortnite de Brawl Stars. Il doit y avoir un Léon dans Fortnite aussi hein. Tu fais quoi là? Mal? Non ça va. Okay, je m'en fous. Ah mais là il y a sa langue. Ok, j'aurais dû monter sur sa langue je pense. Et pas tuer les ennemis. Peut-être hein. Il faut que je stoppe le temps. Faut pas que j'essaye de faire le fou. Merde. Je pense que c'était là hein. Allez allez allez. Il a du courage quand même d'entrer dans la gueule du caméléon. Oh il change de couleur. Il va faire toutes les couleurs du drapeau LGBT. Non. Je devrais ralentir le temps parce que c'est chaud d'éviter les trucs. Hein. Ça se voit que c'est fait pour qu'on arrête le temps. En fait, faut arrêter le temps pour changer d'endroit. Parce qu'il divise. C'est ça le truc, je pense. Ah, mais non! Mais non! Je suis con! Le gars, il a changé de plateforme. Je pourrais pas aller dans sa bouche ici. T'as pas à t'énerver, t'inquiète. Fallait pas me donner ce pouvoir ici, de toute façon, hein, t'es juste débile. Ah ouais, mais il fait des trous dans la plateforme. Ça n'est pas très très sympa, ça. Quoi? Ils sont abusés, eux. Là, je pense pas que je puisse aller sur sa langue. Non, elle est trop loin. Vas-y, on s'en fout. Ok. On est sur Toho ou c'est comment? Par contre, j'ai plus de vie, hein. Donc, il y a moyen que je meure.
dû avoir 3 ou 4 PV. Change de plateforme là, elle est un peu trop cabossée celle-là. Ah oui, il va là-bas. J'ai appuyé pile au dernier moment. Ah, on peut pas le faire d'un coup. Dommage. Je suis un fou, c'est comment? Vous voyez ce que je fais? Au tout dernier moment, j'appuie. Ah, ça doit être la fin, je pense. On dirait qu'il n'y a pas d'autre plateforme plus loin. T'es sérieux? Comment ça, un caméléon qui crache du feu en plus? Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas tant que ça, puisque eux, ils ont quand même bien le pouvoir de me buter. Ah, mais non, mais il détruit juste. Waouh! Juste la moitié de la plateforme, quoi. Comme ça, la plateforme, elle est minuscule et je vais mourir. Je suis pas sûr que ce soit totalement terminé, si. Ah, si, peut-être. Bah quoi? Non, fallait pas le ralentir, je pense, si. Ah, ok. Ah, il m'a fait peur. Il était un peu dur. Bah, quand t'essayais de le faire sans ralentir le temps. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se donner comme défi de réussir les niveaux et les boss sans utiliser le stoppage de temps. Enfin, t'es obligé dans la dernière phase, mais... Mais le reste, non. What? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, c'est pas la pone ou je sais pas quoi? Un jeu sur PSP? Donc on va avoir un niveau spécial musical. Comment ça s'appelait? C'était sur PSP. Et apparemment, c'était trop bien. Le jeu, c'était que des aplats de couleurs. Je ne me souviens plus. Et... Donc ça va être un niveau un peu original, je pense, en vrai. Allez, remonte! S'en fout là que vous vous amusiez. Non, je veux pas m'amuser, je veux sauver le monde. Et je veux surtout faire des niveaux. Et m'amuser dedans, mais pas m'amuser en regardant des cinématiques. Je suis pas là pour que mon perso s'amuse, je suis là pour que moi je m'amuse. Par contre là, il va rentrer dans la lune, il va se crasher, et ce sera la fin du jeu. RIP. Ah bah oui. Et bien sûr. Donc on le fera après. On dirait un Weebob le truc, en vrai. Y a-t-il d'autres trucs à débloquer sur la map? Ah bah oui. Ah, c'est juste une pièce de puzzle. Comment je les aime pas eux? Je déteste les ovnis. Et oui, je suis raciste des ovnis. C'est la seule chose que je n'aime pas sur, dans l'univers. En même temps, ils veulent nous buter. Enfin, j'imagine, je sais pas, on les connaît pas. Bref, c'est parti pour Ravage Rétro. Il doit y avoir aussi Baston en carton, là, un moment. Sûrement. Booste-toi. Par contre, ça nous donne vraiment un pouvoir pour un niveau qui dure 2 secondes. Hein. C'était sûr. C'était sûr que c'était la poule. Elle a chié un œuf en plus, on devrait le manger, ça se trouve il est bon. Oh non. C'est comme ça que vous faites? Oh non, comment ça? Comment ça, on a un qui a survécu là? Ok, et... Ils vomissent là ou quoi? On dirait... Il y en a un qui a survécu là. Oh non! Ça les a transformés en lapins de la mort. Que j'ai tué! Yes! T'es qui toi? Tu sors d'où là? Avec leur petit truc sur les côtés, on dirait encore un perso de. Soit Sly Cooper, soit de Jack and Dexter, mais comme je ne connais pas, je n'en sais rien. Attends, non, c'est ça, baston en carton. Ah oui, mais il y a le bouton aussi, il faut qu'on le fasse. Il reste encore pas mal de niveaux à faire, ce n'est pas tout de suite la fin. Faites-moi pas une baston crisante cette fois. Le sol se casse encore? Ah bah oui, super, merci. Eux, je pense par contre, ils vont s'auto-détruire. Quand ils vont aller dans le sol, à mon avis, ils vont s'auto-détruire. Allez, allez, tombez, non? Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est simple. Let's go! Ce n'était. C'est un peu crisant, attendez. Mais il est trop haut là, comment je dois faire? Bah.
Bah descends, non? Bah... Ah mais... Ah d'accord, ok. J'ai compris un peu tard, mais j'ai compris. Un peu chiant, non? Et il faut qu'on détruise un maximum du terrain. Oh, et tomber là. Ok. Mais non! Je vais rager. En fait, le truc il est là-bas, c'est ça qu'il faut détruire en priorité. Ah, mais non, mais là par contre il est sur du sol, je suis bête. Et il est bloqué. Ok, toi aussi tombe. Yes. Ok. Un peu relou. Qui es-tu? Ah, on dirait un gars d'un jeu de ski ou de snow, hein. Probablement. Il y a eu des jeux de sport, Sony, mais genre des compilations. Un peu comme Mario Sonic ou Mario Sport Mix. Je n'en ai absolument aucune idée. Retour au bercail. Là, débloquons les niveaux du carré. Qui peuvent être des niveaux un peu durs, comme on l'a vu auparavant. Enfin, ce niveau est facile. Et c'est les niveaux qu'on débloque qui le sont peut-être pas forcément. C'est rare que je saute sans utiliser mon boost. Ça n'arrive quasiment jamais. Et... Et bah voilà. J'en ai même pas eu besoin de tout le niveau. On libère tes potes. C'est bon, la famille au complet. Je suis sûr que les gens qui ont développé ce jeu, il y en a une partie qui ont dû... qui aiment Banjo-Kazooie. Parce que là, les petits yeux sur les bonhommes, les œufs de stop and swap, c'est vraiment très Banjo-Kazooie. Allez, un dernier ressort. Oh non, 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 non. Me faites pas une gimmick autour des ressorts et tout. Faites juste que c'était un jeu de merde et c'est tout. Parce que les ressorts, c'est pas fun. Eh bah si. Attendez, quoi? Et tu n'as aucune envie de redescendre. Ah! Super! Hein? J'étais même pas en train de parler. Allô, allô? Ah non, c'est avec ça? Ah d'accord, ok. J'étais comme un con. Alors qu'en fait, c'est juste avec les boutons. Bizarre d'ailleurs que ça n'utilise pas le micro, ce truc. Ça, c'est pas ouf. Ça m'a l'air même très dangereux. En fait, faut que je reste appuyé tout le temps sur le bouton, hein. Y a pas à se poser de questions, le bouton R doit être maintenu tout le temps. Sauf à ce moment, là je le lâche. Parce que les trucs de verre qui se brisent là, ça fait pas rire. Ok. Je récupère même pas tout, vous voyez comment j'ai peur? J'ai pas de couilles. En vrai, peut-être, hein, vous pouvez pas savoir. Y a que Adama qui sait. Bah ouais, mais je suis bête, mais en même temps je voyais pas c'était... je me tue en me plaignant. En même temps je voyais pas c'était quoi la suite là. C'était nul. Donc là en fait j'ai compris maintenant. Voilà. Bah j'ai pas compris en fait maintenant. Mais en fait y avait deux colonnes. Ça j'avais pas capté. Donc ça j'aime pas. En fait à quel moment je dois sauter? Voilà. Mais attendez, mais dans tous les cas c'est abusé, je vais pas assez loin. Oh je sais, j'ai compris. Non mais attendez, mais fallait le voir, hein. Ils ont abusé. En fait, c'est pas difficile, mais c'est juste que la caméra aurait peut-être dû faire un petit effort quand même. On n'est pas sur Mario 64, hein, je tiens à le rappeler. Donc en fait... Ok, voilà. Et c'était la fin. Ah oui, c'était exactement la fin. Non bah c'était pas dur, hein. C'est juste qu'effectivement c'était pas très clair quoi. Allez, il en reste plus que 3 à voir.
avant le dernier niveau qu'on fait, il revient à la maison. 168 168, Waddle Dee. Idée lumineuse. Ah bah ça va être avec l'ampoule. Qu'on a déjà vu plusieurs fois. Enfin oui, mais dans un niveau. Mais ces niveaux sont trop bien. Là, il y a vraiment du challenge. Ah mais par contre, là, je peux pas arrêter le temps. J'aimerais bien voir ce qu'il y a en fait. Et j'aimerais bien avoir une perspective un peu plus sympa, d'accord. Mais attendez, mais s'ils ont vraiment fait un dernier niveau du jeu qui est dur, comme Super Mario 3D World ou Super Mario 3D Land, j'y arriverai jamais, hein. Parce que là, j'ai déjà trop de mal. Si tu imaginais une compilation de niveaux comme... Ok. Une compilation de niveaux comme ça, sans checkpoint. Genre, ils donnent 3 coeurs au début, et tu dois tout faire. Ils en sont capables. J'aurais pas dû dire ça. Ça va me porter l'œil. Bah non, ok. Bah what? Ah! Non mais affichez-les plus tôt quand même. Wow! Bah oui mais non, alors là non, 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 vous pouvez pas faire des choses comme ça. Avec la perspective, on voit pas du tout. Ah, on peut voir. Ok. Ah mais non, bah remets-moi pas la caméra comme ça. Si je me plains de la perspective, c'est parce que je veux qu'elle reste comme ça, là. Bah non, mais la caméra, elle se remet automatiquement. Elle se fout de ma gueule ou c'est... Ok. Là, elle reste comme ça. Non ! Ah mais il se resserre ! Là, ça simplifie le truc, en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non! Bah oui, mais si je mets la caméra de la manière qu'il me faut, bah elle est pas de la manière qu'il faut pour la suite. Bien sûr. Et en plus, c'est vraiment pas bien difficile. Hein. Le chemin qui se resserre de ouf, mais what? Allez, allez. J'ai arrêté d'essayer de deviner d'où venaient les persos. Attends, il y a un truc marqué. We're racing robot. Roots. We're racing roots. Probablement un jeu de voiture, lequel je ne sais pas. Alors, les deux derniers niveaux, au pied du mur. Ah ouais, ah ouais, d'accord, ça va être un niveau tout en montée comme ça, très bien. Marrant, non? Ça, on vient d'en avoir un peu en aperçu à la fin du niveau précédent. Bon, ça c'est un peu des sauts muraux en vrai. J'ai dit qu'il n'y avait pas de sauts muraux dans le jeu. Ça, c'en est un peu. Il me saoule! Comment il arrive à calibrer exactement quand est-ce que j'arrive? C'est le pire! Je crois que c'est vraiment l'ennemi qui m'aura le plus tué de tout le jeu. Avec leur mouvement en cloche de merde là, de mes couilles! Et pourquoi t'as arrêté de courir? Ok. Faut pas qu'il s'arrête de courir. Je sais pas pourquoi il l'a fait, mais il faut pas. Mais ouais, il s'arrête. I don't know. Non, merde. Voilà, vengeance. Oula, oula. Oh, c'est trop marrant. En vrai, il est vrai. Je déteste ce niveau. Non, en vrai, il est cool. Mais je suis con. Je sais pas jouer. Vous imaginez faire ce jeu sans mourir? Bon, ça doit être possible, hein. Il y a des gens qui font des défis de tellement dingo que... Ça a peut-être pas encore été fait, le jeu vient de sortir, mais... Ça viendra. Ok, je t'ai épargné. Alors que pourtant, tu m'avais tué. Heureusement que je suis gentil, hein. Et bah c'est fini. J'aime vraiment trop ces petits niveaux là. C'est que de la plateforme, il n'y a pas d'exploration et c'est vraiment très cool. Bon bah il en reste plus qu'un. Ils nous remettent pas la boule quand même. La boule, on l'a eu beaucoup de fois.
Ah mais c'est peut-être parce que c'était les niveaux du rond qu'on a eu beaucoup de boules. Beaucoup de boules, à ne pas sortir de son contexte. Ruez vers l'eau. Vous osez nous mettre un niveau sous-marin. Enfin, des trucs comme ça. Sous-marin. Plutôt ruer vers la lave. C'est quoi ça? Alors c'est une nouvelle mécanique qu'ils ont introduite sur un niveau comme ça, ça m'étonne. Merde. Ah ouais, en fait faut pas tarder. Ok. Là, il a pas de l'eau à l'infini le bug. Ah! Je me suis fait avoir par le dernier petit missile qui arrivait. C'est une dinguerie. Vas-y. Quoi? Vise un peu mieux le petit coin-coin là. Petit canard de bain, on est dans le lapin crétin ou c'est comment? Ah ouais, en fait, tu dois faire comme ça, puis c'est bon, t'en envoies partout. T'en envoies partout. Encore une fois, ne pas sortir de son putain de contexte de ta mère la pute. C'est même pas la lave et le coin-coin qui me tue. Bon, c'est des fois la lave et qui, le petit coin-coin qui me tue. Genre, deux fois, ça a quand même été le truc qui a rien à faire là, en plus. En plus, l'eau lui fait rien, donc... je peux même pas espérer m'en débarrasser comme ça. Voilà, la vengeance, c'est un plat qui se mange très chaud. Ah, mais c'est pour les arroser. Wouah! Mais j'étais censé faire quoi? Je dois pas marcher dans la saleté, c'est ça? Dégage, dégage. Mais pourquoi je suis si lent? Pourquoi? Parce que je suis devenu noir. Mais j'ai marché dans aucun truc noir! Ça me gave, ça me gave. Pourquoi ils ont eu l'idée de mettre cette mécanique de merde? J'espère qu'il n'y aura pas ça dans le monde final. Mais c'est vrai que j'étais tellement énervé que j'ai pas capté, mais c'est vraiment Super Mario Sunshine là. Mario Sunshine done better. Parce qu'en fait, le truc c'est que. Mais je suis lent même quand je suis pas noir. Là il doit y avoir un truc évident que j'ai pas compris. Mais je sais pas. Genre on peut aller plus vite avec ça, non hein? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est incroyable. Après je peux faire demi-tour. Pour pas me prendre les lasers. Enfin les lasers, les flammes. Toi je te hais, toi je te hais. Il est plus dur que tout le reste du niveau. C'est vraiment le niveau le plus chaud qu'on ait eu là. Passe sur le côté. C'est mieux peut-être. Ça va si je fais ça et que je m'en vais. Mais après ça fait demi-tour. Mais c'est beaucoup trop rapide, qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, ça va en vrai. En fait, c'est peut-être parce qu'au début, je prenais trop de temps, j'en sais rien. Tu veux pas te laver? Non, non, manifestement, notre perso, il joue à LOL. Ça nous tue même pas? Ça me saoule. Là par contre j'ai pas bien compris parce que ça a pas l'air de nous tuer. Quoi? En fait l'ennemi nous tue mais pas le truc qu'il dépose. Pourtant on dirait vraiment de la lave. J'ai quand même peur que ça me tue hein. J'évite de fou mais... Et c'est pas fini hein. Calmos, calmos! Oh, c'est la fin. Waouh! Je ne l'ai pas quitté. Mais sans l'ombre d'un doute, c'était le niveau le plus difficile qu'on ait fait depuis le début. Waouh! Et dernier niveau. Le truc de patapon, je sais pas quoi. Loco robot!
C'était Loco Loco le niveau, le jeu il s'appelait comme ça. C'était sur PSP. Et il y en a peut-être eu un autre sur une autre console, je ne sais pas. Donc c'est un jeu de rythme, qui apparemment est très bien, mais bon, je ne sais pas, j'ai jamais joué. Salut! Tu veux qu'on fasse la musique à ta place? Attends, mais je vais devenir lui là? Minuscule! Ah non, non! Ah ouais, mais j'ai quand même pas de corps. Comment ça marche? Moi j'ai jamais joué au jeu. Avait-on besoin de ça maintenant? Y'a quoi ici? Oh là là. Oui. Ah mais c'est littéralement le jeu, hein. Vraiment. Non, il y avait peut-être un truc, attendez. Ouais, bon, il y avait pas grand-chose. En fait, c'est Monkey Ball mais en 2D, c'est ça le truc? On m'a vraiment dit que ce jeu était très bien. Ce jeu-là? Non, ah, ouais, ça peut être cool. Je croyais que c'était un jeu de rythme alors qu'en fait non. Je deviens plus gros ou pas? Ah, je deviens pas plus gros normalement quand je sauve des gens. Bon, le niveau n'a pas l'air très difficile en ça. Oh! Je deviens plein de mini! On descendait là. Ah, il n'arrive pas à passer. Ah, c'est bon. Wouhou! Ah merde, non, faut pas rester appuyé sur le bouton, il suffit d'appuyer dessus. La musique elle est trop goofy. Waouh! Comment il n'y avait pas de face en 3D, je crois, dans le jeu? C'était vraiment qu'un jeu 2D. En vrai, la musique elle rentre dans la tête. Hein. Comment je me serais tué si je l'avais loupé? De toute façon, je réapparaissais pas très loin. Non! À quoi ça sert de changer tout... enfin, l'eau là? Rien du tout. Si. Quoi? Ah non, c'est bon. Le deuxième! Ils sont trop mimi. Blob exubérant. Ouais, mais c'est des Weebwob. C'est littéralement Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Si c'était un bon jeu. Oh? T'es mon ami toi ou. Ah oui! Oh! Merci mon pote. En fait, tout le monde est gentil dans ce monde, c'est les bisounours. Salut! Ils chantent en japonais? Non, mais on dirait que c'est des enfants de maternelle qui chantent. C'est probablement littéralement ça. Oh! Heureusement que t'étais là, mon pote. Bon, c'est pas grave, je perds pas tout. Moi, j'aurais dépassé les 2000 pièces. Non, faut aussi aller de l'autre côté, non! Comment vous êtes nuls? Et je sais pas s'il y en a eu d'autres que sur PSP, ça. Oh! Il va se passer un truc? Ah oui, ah oui! Quand j'ai vu les pièges, je me suis dit, non, pas que pour ça. Non, non, pas que pour ça. Oula. Je me doute bien que si je tombe, je meurs. Hein. C'était même pas la peine de me l'indiquer. Ah! Mais pourquoi ils ont mis leur monde... Enfin... Pourquoi ils ont mis notre partie de la PlayStation ici? Oui. Ah oui. Allez. Yes. C'est moi le dernier, tout le monde m'attend. Oh coucou coucou. Reste là. Pourquoi tu fuis? C'est moi hein, ton pote. Oui, je peux play. Merci. Je sais pas, ça fait des trucs ça. Bon, on va juste filer hein, parce que ça suffit hein. C'est le mont Wario ou quoi? Le mont givré de... Enfin le truc de... Dans Mario Kart 8. Descente glacée, c'est ça? Descente givrée, je sais plus. Ah, là on a un ventilateur. Comme ça, ça va pas surchauffer. Par contre, il a l'air en bon état. Enfin, il y a quand même plein de poussière et de merde à l'intérieur, mais... Ça va, on a vu pire.
Le truc où il y avait les lianes dessus, c'était un peu pas ouf. Hein. Allez. Adama m'a dit que je devais absolument terminer le jeu avant le 10. Le 10 septembre. Parce qu'il y avait la suite de Persona qui sortait, le DLC. Et donc après, il pourrait plus me passer sa play. Il se dépose ça là. Elle est trop belle comme ça, la manette. Il va falloir souffler, c'est ça? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? Bah ouais, hein, il y a quelques problèmes. Ah, il y a un sacré bordel, hein. C'est toujours pas fini? Mais qui a mis tous ces glands à l'intérieur? Et aussi ces petites feuilles. C'est bon? Ah non, ah non. Ah, voilà, c'est bon. Ouh. Comment il les a virés? Allez, remets ça en place. Allez, qu'est-ce que tu veux là? Hein? Ah, c'est le refroidisseur? Qu'est-ce que... Ah oui. Mince, non, non, on n'est pas à côté. Ah, c'est bon là. Ça se boit ce truc super cool. Mais attendez, mais c'est vraiment un soda. Normalement, ça marche pas comme ça. Hein. Et... Yes! On se demande vraiment c'est quoi le dernier truc qu'on va débloquer. Hein. Ouais, on a compris. Maintenant, replace-le. Mais c'est quoi le dernier truc qu'on va récupérer? Parce qu'il y a un truc au centre là. En fait, il n'y a pas 4 parties qui manquaient, ouais, il y en a bien 5. Allez, c'est la fête, presque tout le monde est là. J'en suis où des trophées? On verra quand on aura terminé le jeu. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai énormément maintenant. Mais pas 200. Donc il y a quelques trucs qu'on peut toujours pas faire sur la map. Elles sont belles les illustrations aussi. Mais c'est quoi? C'est là où ils vivent? Peut-être c'est sur leur planète. Hein. What? J'ai débloqué un parc safari? Ah mais en fait ça n'a rien à voir avec les processeurs. C'est les trucs qu'on débloque grâce au puzzle. Oh! Mmh. Ok, bon, on va aller voir le parc safari avant de se laisser. Ah, ça va peut-être être les ennemis du jeu. Genre c'est un bestiaire. Ah non, waouh. Ah, c'est pour se prendre en photo avec les animaux. D'accord. Bon, en vrai, c'est marrant. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresserait, mais... Peut-être quand j'étais petit, j'aurais kiffé ça. Ah ouais, donc y'a rien de plus, ok. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas, comme d'habitude, hein, tu connais les mots de la fin, de liker, commenter, partager, t'abonner, bien mettre la cloche. De temps en temps, on est en live sur le jeu, à moins qu'on l'ait déjà terminé. Donc n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur Twitch et même sur YouTube, il y a les lives ici. Mais sur Twitch, c'est encore mieux. Hein. Voilà, et à la prochaine. Salut !